adhérents. Je suis présidente de l'association Sauver les abeilles. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que cette association Sauver les abeilles? Ça a quelque chose à voir avec l'écologie? Alors, rien à voir avec l'écologie, même si on adore les abeilles. En fait, on représente les salariés des petits commerçants de l'assurance, on va dire, des mutuelles régionales, ça peut être aussi des courtiers ou des agents généraux, mais on est vraiment le petit maillage dans nos régions de l'assurance de proximité. Et on est aujourd'hui mobilisés pour défendre nos emplois. On a décidé de s'intituler les abeilles parce qu'on est les petites abeilles ouvrières, le maillage économique un peu dans nos régions. Et on pense que sans les abeilles, la ruche ne peut pas survivre. Alors expliquez-nous pourquoi vos emplois sont menacés. Alors nos emplois sont menacés par une mesure de Marisol Touraine qui, dans le cadre du plan de financement de la sécurité sociale, veut généraliser la mutuelle à tous les retraités. Alors c'est super. Personne ne peut être contre ça et nous-mêmes on trouve que c'est tout à fait louable. La seule chose c'est la façon dont c'est en train de se mettre en place. À notre avis, Marisol Touraine est en train de faire un véritable hold-up. Elle est en train, si vous voulez, de lancer, on peut dire, comme un appel d'offres. Elle appelle ça parfois mise en concurrence, parfois labellisation. Toujours est-il que son appel d'offres va faire en sorte que seulement certains hyper-assureurs vont avoir le part de marché des retraités. Il faut savoir qu'il y a 12 millions de retraités en France et tout ça va être concentré sur des hyper-assureurs, ce qui veut dire que Marisol Touraine se comporte, on va dire, comme une acheteuse de centrale d'achat. Les hyper vont réussir à baisser leur prix parce qu'ils peuvent faire du dumping et nous-mêmes qui sommes employés des petits commerçants dans nos régions, on va mourir. On est un peu comme les agriculteurs face à la grande distribution et voilà, donc on descend dans la rue parce qu'il y a d'autres choses à faire. On est pour cette mesure, mais pas pour la perte de nos emplois. Pourquoi Marisol Touraine prend cette décision? Pourquoi prend-elle cette mesure? Alors franchement, on pense que Marisol Touraine prend cette décision pour, comment dirais-je, pour satisfaire la promesse électorale de M. François Hollande qui a promis cette généralisation de la mutuelle aux seniors. Alors oui, c'est bien, oui, il faut le faire, mais il ne faut pas qu'on perde nos emplois. Et on est 100 000 aujourd'hui. 100 000, ce que vous nous dites, c'est que donc 100 000 emplois à travers toute la France, je suppose, à travers des petits bureaux, des cabinets d'assurance sont menacés, mais vous n'avez pas d'autres activités que ce secteur d'assurance? En fait, si vous voulez, pour être très clair, 72% du marché des seniors est commercialisé par nos petites structures. On nous a déjà retiré les salariés, il ne nous reste plus que les seniors, grosso modo sur le marché de la santé. Alors oui, on les travaille, mais si aujourd'hui ce marché nous est retiré, comme il représente 72% de notre chiffre d'affaires, forcément on va disparaître. Ou racheté par des très grosses entreprises qui vont prendre les marchés. Exactement, donc c'est la fin du petit commerce, c'est la fin de tout ce maillage qui fait la vie de nos régions et la richesse de nos régions, et c'est aussi la fin de la liberté de choix pour les seniors. Donc oui, à une mutuelle pour les seniors, mais laissez-les choisir et laissez-nous vivre et ne cassez pas nos emplois. C'est pas un peu ce qu'on voit dans plein de secteurs de notre société aujourd'hui, la centralisation de certains marchés à des très grosses entreprises qui ont, disons-le franchement, le pouvoir de lobbying très important? Exactement, c'est exactement ce qui se passe dans notre marché. Et on est victime de la grande distribution, on est victime des hyper. Et on pense qu'on a un réel rôle d'acteur économique, mais aussi de conseil. Et surtout, on pense qu'on est encore dans un pays démocratique où les gens peuvent choisir librement par quelles personnes ils vont passer pour assurer leur santé, quelque chose qui les touche énormément, évidemment. Vous êtes devant le Sénat, vous allez être reçu par un sénateur ou par la ministre directement. Vous avez des perspectives de rendez-vous? Alors, Madame Marisol Touraine est contactée pour nos services à peu près 3 à 4 fois par jour, à la fois par téléphone ou par mail. On n'a même pas une réponse disant qu'elle ne veut pas. Elle ne nous répond pas. Les portes sont closes. C'est d'ailleurs pour ça, entre autres, qu'on descend dans la rue. Pour les sénateurs, on est en train d'essayer d'être reçu par Monsieur Van Lerberg, qui est le rapporteur de la Commission des affaires sociales. Voilà, on attend. On attend et on se dit qu'aujourd'hui on se demande si on est encore dans une démocratie ou pas et si on est malheureusement obligé de descendre dans la rue pour essayer de se faire entendre, surtout sur un sujet aussi important que 100 000 emplois dans toute la France. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui ces luttes se gagnent sur le front du rapport de force. Vous êtes suffisamment puissant pour peser dans la balance, pour faire changer d'avis la ministre ou à tout le moins rectifier le tir? Vous savez, je crois que le gouvernement actuellement ne se rend pas compte que le peuple est là. Le peuple, on ne peut pas le bâillonner comme ça. Alors oui, ils essayent de faire passer en douce certaines mesures, etc., pensant qu'on ne va pas réagir. On est en plus une profession qui n'a pas l'habitude de descendre dans la rue. Mais non, on ne peut pas bâillonner le peuple, et à force de trop le bâillonner, un jour il descend dans la rue. Vous voyez, aujourd'hui on est à Paris, mais on est à Lyon, on est à Nice, on est à Marseille et à Bordeaux, mais ce n'est pas fini. On va faire un tour de France de tous les pôles emploi. On va sensibiliser tous les pouvoirs publics en leur disant « Attention, 100 000 emplois sont en jeu ». Et on va appeler les élus de chaque région et on va leur dire « Chers élus, tiens, c'est les régionales, qu'est-ce que vous allez faire pour nous ?» Voilà, donc non, on est très très déterminés. On va mettre nos bonnets jaunes sur la tête, nos bonnets phrygiens. Ah, vous, c'est les bonnets jaunes alors? Ah oui, on avait déjà commencé en 2013 contre l'Anie, on a d'ailleurs gagné. Et je pense que ce n'est que le début. Là, vous voyez, c'est vraiment le commencement de toute l'affaire. Peut-être un jour, une manifestation commune, bonnet rouge, bonnet jaune, bonnet vert, bonnet bleu. Pourquoi pas une fédéralisation des mouvements? Écoutez, je pense que c'est... Une colère, j'entends. Je pense que c'est vraiment dans l'air du temps parce qu'on est contacté, allez, tous les jours par des mouvements qui veulent se rallier. Pas forcément dans le domaine de la santé, même s'il y en a dans la santé, des médecins, des infirmières, parce que tous les professionnels de la santé sont exaspérés par ce manque de dialogue avec Marisol Touraine, mais aussi d'autres acteurs, les agriculteurs par exemple. On est dans la même situation que les agriculteurs, si vous voulez. Donc demain, pourquoi pas défiler dans la rue avec les agriculteurs? Pourquoi pas? Donc je suis Richard Restuccia, courtier en assurance à Cannes, courtier de proximité, et président du syndicat de la chambre syndicale des courtiers d'assurance. Que craignez-vous aujourd'hui? Qu'avez-vous après Marisol Touraine et ses nouvelles lois? Marisol Touraine, elle est en train de nous enlever encore une grosse partie de notre métier sur la mutuelle santé pour les retraités. Et que ce qu'on craint, c'est des pertes d'emploi dans notre secteur d'activité. Et surtout, pour beaucoup de courtiers de proximité, le fait de mettre la clé sous la porte. Parce qu'à force de ne plus avoir rien à vendre, eh bien, on finira par arrêter de faire notre métier. Quel est le calendrier de mise en place de ces nouvelles mesures, des mesures que vous contestez aujourd'hui? Les mesures vont être mises en place là dès le courant de l'année 2016, parce que les discussions commencent aujourd'hui au Parlement, et c'est pour ça qu'on se mobilise dès maintenant, parce que c'est dès maintenant qu'il faut montrer que nous sommes mobilisés pour défendre notre profession. Donc le but du gouvernement, selon vous, c'est de donner votre marché, le marché sur lequel vous travaillez, à de très grosses entreprises, à de très gros assureurs qui ont une puissance de négociation plus forte que la vôtre. C'est tout à fait ça. Et du coup, ça empêche la libre concurrence. Et on sait que dans nos métiers, la libre concurrence est importante. C'est important que le consommateur puisse aller comparer, puisse aller choisir son produit. Or, ce n'est pas ce que veut mettre en place le gouvernement. Le gouvernement, il veut tout regrouper en haut, pour pouvoir négocier à la base et pour pouvoir proposer des contrats qui seront déjà ficelés et où on ne pourra plus ni discuter, ni faire valoir notre devoir de conseil. Or, le rôle du courtier aujourd'hui sur le terrain, c'est de pouvoir conseiller les consommateurs et de pouvoir leur amener le meilleur produit en fonction de leurs besoins. Chier. Ou donne-nous la nôtre. Tant pis, hein.